n'éteindra ni l'humanité, ni les querelles. Elle repousse la vaine gloire qui se fatigue pour le néant. Elle s'oppose en adversaire aux faces de la superbe. Elle déteste le souvenir des injures. Cette ennemie du salut. Tous les vices, elle les tient pour poison mortel et prend sa joie dans leur contraire. Car le contraire se dirige par le contraire. Vous voyez là, c'est très fort. Voici pourquoi la Vierge Marie est inimitable. Nous sommes prêts pour toujours réagir. Comme un serpent dénoué. Nous sommes prêts pour attaquer. Pour peu de choses, nous réagissons. Nous ramènons négatif. Non. Elle n'est pas dedans. Tu as beau parler, elle a dit un peu, et tu as compris, c'est bon. Mais nous allons lui, en fin de lui, on va te dire quand tu es la personne. C'est ça qui est grave. Elle n'est même pas dedans. Et quelle amour du mensonge. Elle a vraiment fait tout ça. Elle dit que c'est un ennemi. Pour elle avait, pourquoi elle m'a su le serpent? Mais c'est parce que sa vie est fermée au mal. Si elle m'a su le serpent, ça veut dire que sa vie n'est pas ouverte pour ça. La force de la Vierge Marie, pour la cité, le jeu, la maîtrise de soi, les sangs des sauts, vous voyez, les sangs des sauts lui sont agréables. Nous n'avons même pas le temps de venir à la messe, mais on dit un mois. Alors même la Vierge Marie, récité rosaire, ça c'est trop fort pour nous. Ils n'ont pas fait deux et tout ça pour nous tous. Avec la pureté, la virginité, la sagesse, elle se plaît. Entretient avec elle une paix éternelle. Les embrasse avec amour. Elle accueille la paix et l'esprit de douceur. Elle reçoit dans ses bras, comme ses enfants, la charité, la piété et l'humilité. Et pour tout dire, en un mot, attristée et irritée par tout vice, elle se réjouit de toute vertu comme de sa grâce propre. Je t'en vais à la fin. Si donc, nous évitons avec courage nos vices passés, si nous avons de toute notre ardeur, les vertus, et que nous les prenions pour compagne, elle nous tuera sa visite auprès de nous. Marie nous tuera sa visite auprès de nous. Elle prendra avec elle le Christ son Fils, roi et Seigneur de l'univers, qui habitera en nos cœurs. Si le cœur habité, c'est ta vie qui habite, c'est ta maison qui habite, c'est ta famille qui est sauvée. A lui la gloire, honneur, force, majesté et magnificence, avec le Père sans principe et la Suisse Saint. Amen. Magnificat. Magnificat. Paul dit, quand tu n'as pas enseignement de cette qualité, Jésus est en train de demander quelque chose à Dieu qui va refuser. Jésus est en train de demander quelque chose à son fils et puis il va refuser. Lui, il a dit, soyez saint, comme votre père est saint. Quand tu es tel qu'il a, il n'y a pas quelque chose, Dieu, qui refuse. Comme la Vierge. Oh, je t'acclame très fort. Tu ne peux pas t'asseoir et t'acclamer une dame, la mère de notre Seigneur. Je lui acclame par sa mérite, acclamation. Au-delà de notre Seigneur, il y a la petite vie pour l'acclamation. Voilà. Amen.